La solution est en dessous du verre. On met la solution en dessous du verre. On bouge les verres. On bouge les verres. Elle est en dessous de quel verre, la solution? Bleu. Pour, 42. Pour rendre tout ça un petit peu plus léger, vu que j'ai l'impression, humblement ou égoïstement, je suis un petit peu tanné d'en parler de ce petit couvre-feu-là. On s'est saussé dedans all the way, puis pour l'instant, comme tu dis si bien, Florence, on ne sait absolument pas si on mérite de chialer. J'ai des amis proches qui font des manifestations. Ça ne me tente pas d'aller à des manifestations dans le contexte actuel. On fait ce qu'on peut dans le contexte. C'est ça. J'ai hâte que le virus s'en aille. C'est pas mal ça. Donc, en fait, Jacinthe Bélanger, hein, mes sources sont dans mon cœur, a partagé une liste mise à jour qui vient du très officiel amg-news.com. Hein, c'est avec un onglet guerre. Il s'occupe à ne pas confondre d'ailleurs avec AMG, pas de trait d'union, news.com, que c'est sûr que c'est une autre organisation. Ça se peut, honnêtement. Et donc, ce qu'on est en train de voir là, mesdames et messieurs, c'est la liste officielle des arrestations et des exécutions de criminels de guerre. C'est en train de se faire. Hein. Le Deep State est en train d'être détruit présentement. Nous, on est témoins de rien. Mais on va apprendre une liste de gens qui, à partir de maintenant, si vous le voyez en entrevue ou ailleurs, en public ou quoi que ce soit, c'est un acteur. Il joue son rôle, qui est payé par le Deep State. Et en fait, je ne savais pas trop quoi faire avec cette lettre-là, mais le premier nom de la liste, c'était Adam Sandler. Je me suis dit, c'est pour nous autres, ça. Pour vrai, juste pour lui, j'aimerais ça que ce soit vrai. Ouais, c'est ça. Puis, si c'est des acteurs qui jouent des acteurs, c'est comme... C'est comme deux levels, genre. Ben, en Russie aussi, ils ont la même chose. Dépendamment de pour quand est-ce que Poutine doit sortir, il y a différents, selon cette affaire-là, cette hypothèse-là, il y a différents acteurs qui jouent son rôle, puis ils sont pas tous bons égales. Fait qu'ils ont tous des rôles de genre, si Poutine doit être présent lors d'une inauguration, mais qu'il n'a pas à parler, ben ça va être un tel, puis tout ça. Puis il y a comme un gros mouvement conspirationniste face à, genre, les clones de Poutine. Puis, en fait, cette affaire-là a pris une débarque quand il y a un scientifique qui a dit « Oui, mais Poutine, il vieillit. » Fait que les clones qui étaient plus jeunes, qui étaient comme selon les clones, ben comme... Non, ça n'existe pas. Là. C'est juste Poutine qui vieillit et qui prend un peu de gras dans la face. Est-ce que je peux attirer votre attention sur le 16? Le numéro 16? Ouais. Fauci. Released for a time to help Trump. J'aime ça, la rangée de droite, le status, là. Arrested and executed, awaiting tribunal. Sleeping life in prison, Andrew McCabe. C'est tout du monde qu'on a vu à la TV hier. Angela Merkel. Angela, c'est la fille d'Hitler. Ouais. Merkel. Hitler's daughter. Ah, tabac. Hey, Angelica Houston, come on. Anthony Hopkins. Ashton Kutcher. Mon Ashton Kutcher. C'est-tu un pédosataniste? Ben, Barbara Streisand. Ben, pour quelle autre raison il aurait été arrêté? Bill Gates est mort. Ouais. Ben, avec tout le monde. Tout le monde. Charlie Sheen. Charlie Sheen qui est en train de Gregory. Ah, Charlie Sheen. Charles Gregory. Aïe, aïe. Céline Dion. Il y a du monde. Ils ont exécuté Céline Dion. Ben oui, elle a fait son brand pour enfants, c'était pédosataniste, man. Moi, la question que je me pose, là, c'est que, tu sais, à un moment donné, il y a comme, tu sais, la liberté d'expression puis tout, mais mettons, affirmer que quelqu'un a été arrêté et exécuté, est-ce que ça peut être considéré comme de la diffamation? C'est de la diffamation. Oui. C'est de la diffamation. Moi, juste que, mettons, là, les whippets sur Facebook qui disent que Justin Trudeau, c'est un pédo sataniste, moi, je trouve juste ça, c'est de la diffamation. Ouais. Moi, je pense que dire trop de fois pédo sataniste, surtout trois fois dans le miroir, c'est comme pédo sataniste perd de son pouvoir quand tu le dis. Là, de Chuck Schumer à Eric Holder, là, c'est la job à ce monde-là de faire comme un class action lawsuit contre ces affaires-là, c'est pour diffamation, les noyer dans les frais juridiques. François Legault, Prime Minister of Québec, man. François Legault. On house arrest. On house arrest, c'est clair. Mais c'est correct s'il est avec sa sœur. Ah, il est content, là, il est à la maison.
Ah, puis pour ceux qui... Ah ouais, mais... Gal Gadot. C'est le fun, il n'y aura plus de Wonder Woman. Gal Gadot, il est passé. Gene Simmons de Kiss, le bassiste de Kiss avec la grosse langue. Il attend d'être au tribunal. Oui, il attend. Ouais. Ouais. Harrison Ford exécuté. Enfin, esti, il avait assez hâte de mourir, là. Il a fait le film de Shane Drew, puis that's it. L'avez-vous vu dans Star Wars? Ouais, tu mourrais. En fait, on regarde avant, puis après, qu'il se fait tuer, puis c'est comme pas mal autant vivant. Oui, vraiment. Hey, James Gunn, James Franco, ils ont tous pris James. Toutes les Jeffrey Epstein. Jeb Bush. Sert encore de prison à vie. Ah, et serving life in prison, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. J'aime ça, leur réalité alternative. C'est drôle. Dans cette réalité. Oh my God. Free Epstein. Tout le monde, James. Ça fait 20 ans que personne n'a entendu parler. Ah, Joe Biden, tu vois, gars, c'est même pas le vrai. Qu'on voit le signer des affaires, c'est tout faux. C'est tout. John Cusack. Comme l'a dit Jacinthe, hein, c'est ma deuxième phrase préférée de la semaine après ma phrase préférée que Jacinthe a dit, que mes sources sont dans mon cœur. Mon autre phrase préférée, c'est correct le couvre-feu parce qu'il y a tellement d'arrestations. C'est pour vous protéger cette fois-ci parce qu'il y a plein d'arrestations. C'est dément. Donc, imagine, là, tu marches dans la rue, il est 10h15, puis là, il y a un wagon qui passe, puis il fait « Hey, il y en a un! » Là, il t'arrête, puis il te met à côté des 100 pédos satanistes. Puis là, tu sais, il y a Jerry Nader, puis John Legend qui sont en train de se pogner, de marcher à Saint-Jean-sur-Richelieu, là. Puis là, la police arrive, puis elle les arrête, là. Puis là, il y a John McCain dans le coin, par là-bas aussi, puis ils vont le chercher, tu sais. Justin Trudeau, à House Arrest. C'est bon. Mm. Oui, ça, Justin Bieber? Justin Bieber exécuté. Bieber. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est intéressant. Les politiciens canadiens sont under house arrest, mais les entertainers canadiens sont exécutés. Ils sont tous exécutés. On n'a plus besoin. Ils ont même pris Keanu Reeves? Je suis pas d'accord pour Keanu Reeves. Les revenir. Il a pas dû être facile à pogner Keanu. Si tu donnes un gun, il est bon pour vrai. Effectivement. Il paraît qu'il y a 120 policiers qui sont morts en Ils n'ont pas encore arrêté Elisabeth II, man. Pourtant, Iwan, il l'avait dit qu'Elisabeth II elle allait se faire suicider. Mais non, mais elle est capable. Elle a des pouvoirs monarchiques. Fait qu'elle est capable de transiter et de se téléporter de Windsor à Balmoral. Ouais. Elle fout le vélos, là. Ouais. Amen. Non, mais il y en a combien des noms sur cette style liste-là? Là, on est juste dans un M, hostie. Il y en a un paquet. On pourrait-tu regarder voir si Riz Ahmed est là? Riz Ahmed. Hey, Mark Zuckerberg, c'est un Rockefeller. Ça explique tout. Ça explique tout. Puis il attend. Meryl Streep, Melinda Gay. Ah ouais. Michael Moore, c'est le premier qu'ils ont exécuté, c'est sûr, là. Mike Pence, il est rendu méchant depuis que le monde voulait le pendre. Attends une minute. Ouais. Michelle Obama, Big Mike / Michael Lavon Robinson, fait que la femme à Barack Obama serait actually un homme. Oui, ben ça, ils l'ont dit souvent, ça. Ça a été une conspiration. Je sais pas, avez-vous vu mon chapeau? Je ne connaissais pas cette conspiration. Ben, moi non plus. Oh, wow! Ouais, c'est cool. Tu vas pouvoir reprendre l'Assemblée nationale. Nicole Kidman, Nicolas Cage, tout, Nancy Pelosi. Queen Elizabeth, parce que Elizabeth II était dans Queen. Elle était dans Q, pas dans E. Oui, mais c'est Queen Elizabeth. Fait que peut-être que c'est une madame qui s'appelle Queen et son nom de famille, c'est Elizabeth, on sait pas. Non. Moi, je pense que la reine Elizabeth II, elle a été arrêtée et exécutée par un tribunal militaire américain et que personne n'en a entendu parler. Moi, je pense qu'elle est trop véloce pour nous. MGTradeUnionNews.com. Attends! Je viens de voir que Mitt Romney et Nancy Pelosi étaient at Gitmo. Ouais. Voyons. Paul donc. Ryan aussi. Asti que c'est cave. Robert Downey Jr. Je me demande vraiment. Riz Ahmed n'est pas là. C'est une bonne liste. Selena Gomez, man. Oh. Green. Pourquoi c'est Green? Parce qu'il jouait dans Buffy.
Pourquoi pas Seth Green? Ça, c'est le genre de liste banane brain dead que plus qu'il y en a, plus que c'est crédible pour ceux qui veulent. Ben oui, plus que le mensonge lié gros, c'est plus ça, que. C'est ça? J'ai pas vu Ben Laden. Ben non, mais il est mort. Ben non, mais il est mort depuis. Non, mais non, Ben Laden, il est encore vivant, en fait. Ben il fait partie du Deep State. Parce que tout le monde qui est mort est encore vivant, puis tout le monde qui est vivant est mort, Milan. C'est ça. Parce que c'est tout est de la désinformation. Ah, Stephen Colbert est arrêté et awaiting trial. Effectivement. Parlant de entertainment information. Ted Turner aussi. Ted Turner. Tom Cruise est mort. Hey, tabarnak, Ted Turner. Oh, Vin Diesel. Oh. C'est une grosse perte. J'ai pas vu Boris Johnson, mais il y avait Tony Blair, par exemple. Spécial. Peut-être que leur liste n'est pas à jour, c'est ça le problème. C'est ça, tout, il n'y a pas de X, ni de Y, ni de Z. Non, et c'est tout. Mais là, voyons, non, hostie, qu'il n'y a aucun X, aucun Y, puis aucun Z. Ben, si ton nom de famille est comme ça, t'es sûr que c'est pas vrai? Ah, mais ton prénom, c'est Zoé, t'es safe. Attends. Descends, Tommy. Xavier. Non, pas trop. Remonte un petit peu, juste un petit peu. CIA Top Secret List of 8 Million Names. Hey, on la lit-tu? J'ai cliqué sur l'auteur ici. 409 posts. How herbs used in the night can be effective today, you will be microcar. Hey, c'est un bot, ça. Cashless Society, Operation Garden Plot, The War at... 8 million names. Oh, ben, l'arve là, c'est elle aussi qui a écrit ça. Hein. C'est... Ça doit être sur cette web. Hein? Rounded up when martial law is imposed. Ouais, parce que c'est ça aussi, hein, c'est que eux autres, ils sont en train de promouvoir la démocratie, la vraie. Hein? Et pour qu'on ait la démocratie, ça prend une intervention de l'armée, c'est sûr et certain. C'est rendu à ce moment-ci. Oui, parce que l'armée, elle, n'est pas corrompue et ne fait pas partie du Deep State si ça existait. Non, mais tu sais, toutes les armées qui ont pris le pouvoir, tu sais, on sait que la Corée du Nord, c'est l'État le plus démocrate au monde. Mm-hmm. On sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de votes démocratiques en Russie, puis, au Chili. Sais-tu comment qu'on fait pour savoir que la Corée du Nord, c'est l'État le plus démocratique au monde? Parce qu'on n'a jamais, jamais d'informations d'eux autres aux nouvelles de désinformation de TVA. Ah. Jamais qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe en Corée du Nord. Donc, ça veut dire que ce qui se passe en Corée du Nord, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Est-ce que tu as compris, toi? C'est une nouvelle qui sort de là. C'est sûr que tout est beau. Scary times, FEMA is another word for martial law. Oh my God, scary. Non, FEMA, c'est pas un autre mot pour martial law. FEMA concentration camps to control the spread of virus. Ben oui. Et tabarnak de Christ. Ah, oh là 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 là. Bon, ben écoute, ça va être ça. J'ai un autre petit dossier que j'attendais le moment idéal pour y passer. Et vous savez. 70% pour 100%.